des réfugiés accueillis au cri de « Nous sommes le peuple, rentrez chez vous » par une horde de manifestants en colère. La scène qui s'est déroulée jeudi soir à Klausnitz en ex-RDA a suscité l'indignation du gouvernement allemand. Ce qu'il s'est passé à Klausnitz est profondément honteux, souligne le porte-parole de la chancelière. À quel point faut-il être dénué de sentiments et lâche pour se placer devant un bus de réfugiés et hurler ? Heureusement qu'il y a en Allemagne et dans cette région tant de gens qui montrent tous les jours que notre pays est différent. Les faits se sont produits dans le Land de Saxe, près de la ville de Dresden, sur les terres du mouvement islamophobe Pegida. Deux jours après, dans la nuit de samedi à dimanche, un foyer pour migrants a été incendié à Bautzen, toujours dans la même région. Le parti populiste AfD, dirigé par Frauke Petri, ne cesse de progresser dans l'est du pays. L'AfD, alternative pour l'Allemagne, est crédité de 17% des voix pour les prochaines élections régionales dans le Land voisin de Saxe-Anhalt.